Allô. Allô, allô, allô. Vas-y, on les nique, mec, on les nique. Mais ta gueule, wesh! Quoi? Ah oui, il est salut, derrière. Batman! Non, mais je parlais de nous deux contre trois. Batman? Batman Coco Team? Changer d'équipe, viens. Ok. Vous voulez commencer en défense? Batman? Est-ce que tu nous entends ou pas? Je crois que c'est la musique du stream. Ah ouais, t'es bien renseigné. tu sais que vraiment il m'a déjà casté il y a 3-4 ans. Là ouais, je le connais ouais. Avant c'était Batman Coco Team. Par contre là ouais. Attends mais c'est le caster qui a ça, j'ai du mute, y'a plus de son, c'est le caster. Ouais, mais... Batman Coco. Mais il joue dans sa bagnole ou quoi? Ok, ok. Oh non, mais moi elles sont saturées, oui. Ah, mais c'est injouable avec ce caster. Oh, Batman! Non, mais c'est Vovo, c'est pas lui. Non, mais je te jure, c'est Bat Coco, Batman Coco, je crois, je te jure. Mais oui, c'est lui, mais c'est parce qu'il a laissé son. Mutez-vous les gars, on se met. Ouais, t'inquiète, ouais. Comment on... Moi j'ai pas cette option là sur mon casque. Allo? Ah, mais c'est pas tout seul les gars quoi. Ouais. C'est qui le chef de votre team s'il vous plaît? C'est Azerium Jays. Oh là frère, allez. Ça va les gars? Ça va, il faut. Mettez prêt s'il vous plaît. Mettez prêt s'il vous plaît. Allo. Salut à tous, c'est la salle. Ouais. Non, c'est pas. On attend le patron et on lance. Bonsoir. Ah ouais. Mathis, va snap. Attendez, je reviens. T'as dit quoi? Monster. Ouais. Si jamais il arrive, Batman, dis-lui que tout le monde est prêt. Enfin, moi, pourtant, pour moi, je suis prêt. Hein. Si jamais vous lancez. Hein. Attendez-moi okay. Pas. Mais je vais envoyer un message Discord. Ah, il y avait d'autres en pause ou pas, je sais pas là. Bon, on aurait dit. Oh, Josh! James! Oui? Oh,
Ouais. Y a pas tes joueurs que t'as marqué sur la. C'est des coups qui ramènent la preuve. Moi je suis Sky, c'est. Enfin, ah mais ça il faut le dire, au moins dis-le. Comme ça, en gros c'est nos comptes main, comme ça on a tous les agents. Ok, vas-y. Après si ça dérange, on peut ramener le compte. Non. Bonjour tout le monde. Salut Batman. Ça va? Salut Batman. Bonjour. Ouais, je Baptiste. Qui c'est qui connaît hein? J'ai entendu Batman connais, dans la cuisine. Batman. C'est qui parle? Jux, la tête de ma mère, tu m'étonnes pas Gladiat, c'est moi. Gladiat, si, c'est à l'ancienne. Jux, il y a 3-4 ans, tu castais déjà. Jux, cette vocale. Tiens, c'est des morts. Pardon? Il dit c'est des morts, il y a toujours les anciens. Et hier c'était pareil, il y en a un qui me connaît depuis 2 ans, toi 3-4 ouais, ans. Ouais, 3-4 ans au moins au début de ta chaîne, je m'en souviens. Je te connais pas. C'est sympa. T'as les pompes comme on dit. Ouais, j'espère que vous êtes en forme là. Non, on va voir ça. Ouais. C'est sur la map littorale, je me trompe? Non, c'est ça, c'est ça. D'accord. Oh yes. Oh, on est pas sur l'avion là. Oh non, merde. Désolé, c'est dommage. Pourquoi t'as pris un avion? T'as pris un billet? Un peu alors. Bon, je sais pas. Bon, on va voir les grades. Hein, du hors 3. Hors 3 boosté. P2. Hors 3. P2. P2. Et P3. Ah, ça va. Allez. De côté de l'exigence, P3. P3. P2. P2 et du P2. On dirait Denis Brunner à Koh-Lanta. T'es ouf, mec, j'allais dire la même chose. T'es ah, attends, les vols, de là. Qui ça de leur quoi sentence. Et leur sentence est irrévocable. Oui. Ça, j'aurais dû venir avec mon autre compte, je l'aurais fait. Ah, ok. D'accord, et je vois que vous êtes très en forme cet après-midi. On voit que c'est dimanche, jour du Seigneur. Amen. Eh oui. Ouais. Starfoul. Starfoul. Bon allez la zone hein. Et les exigences là, vous êtes en forme? J'ai la vous les gars. Hein? Ça va changer de votre grade parce que la manche d'avant vous avez tombé contre des champions et diamants alors j'espère que là sur ce coup là ça va aller mieux. Moi je m'en fous, moi je me faisais mon taf, je m'en bats les couilles en vrai. Là ça va être pareil hein, c'est pire hein. Bah je sais c'est fort hein. Après c'est peut-être le style de jeu hein, ça peut arriver à tout le monde hein. Bon je pense que l'exigence, j'espère pour vous que vous allez gagner cette manche hein, cette BO1. Tant mieux pour vous hein. Inch'Allah comme on dit en Bretagne. Hein. Surtout vous mettez tout prêt, je lance pas tant que c'est pas prêt. Ok, let's go. Tu t'es trompé, c'est pas Bretagne, c'est Normandie. D'accord, ouais. Bah ça va, t'es pas loin de chez moi là. Ouais, c'est vrai. Quel bord, t'as un t'es problème t'es toi, avec toi Batman Coco. Moi je suis dans la Somme, pas loin d'Amiens. C'est vrai. Ah, je vois très bien. J'ai oublié qu'on devait se mettre prêt. Ouais, faut mettre prêt hein, parce que. Alors, j'ai déjà précisé en cas où, hein, celui qui se prend 7-0, vous avez un petit gâche à faire sur Twitter. Ça va être marrant. Ah ouais. Et bah voilà. Je vais montrer son cul et tout. Ah, ça vous verrez le petit gâche, ça va être marrant. Ça marche. Ça va être marrant pour vous, vous verrez. Mais vous êtes pas dans la merde. Du coup, je vais faire un truc. C'est bon, je vais faire un truc, je sais pas, mais je vas-y. Jox. Alors, pour ceux qui sont sur la chaîne en direct, hein, tapez 1 exigence, tapez 2 la Outspans et celui qui gagnera. Celui qui gagnera sur Twitch, vous gagnerez le maillot de la Devil League pour information. T'es en live sur YouTube ou sur Twitch? Non, Twitch, après, ce sera transféré après sur la Devil League. Ça marche. Est-ce que tu peux savoir un truc, Coco? Parce que le fait qu'il y a, je vais expliquer pourquoi je fais sur Twitch. Parce que j'ai mis un décalage pour éviter les stream hacks, tu vois, de base. C'est pas une raison. Oui. Quand tu parles de t-shirt, c'est toute la team un t-shirt ou il y en a un seul? Parce que toute la team, ça doit être. Ah non, non, c'est un seul maillot de la Devil League qui sort de l'île. Ah, moi je voulais des porte-clés de base. Je sais pas le marchand de magasin non plus. Mais bon. Allez, je passe encore 2 minutes.
Je vais faire pipi alors. Mais pourquoi? Bah allez-y faire pipi maintenant. Arrêtez de faire des le mot pardon s'il vous plaît, hein, vous êtes quand même sur ma chaîne. J'arrive. J'ai l'impression que c'est un lavabo qui vient d'être bouché, hein. Ça c'est pour une petite information. Un lavabo qui vient de boucher. Bah parce qu'il y en a qui ils ont fait comme les cochons, tu vois. Comme ça le lavabo il est bouché. Tu vois, c'est comme les cochons, c'est tu vois. Un plombier. Bah écoute, j'ai entendu un bruit bizarre. Ils ont quoi les cochons? C'est quoi le cochon? Les cochons ils aiment bien manger les humains. Ah. Ça va d'où? Ok. Alors si un jour vous voulez tuer quelqu'un de votre voisinage, c'est bah vous donnez au cochon, vous inquiétez pas, y'a pas de traces. Ah toi tu l'as déjà fait ça le jour. Ah tu trouves ma soeur? Ouais ouais j'ai l'impression ouais. Tu sais que le prochain c'est toi hein. Ouais ouais ouais. Oula. Bien sûr. Ok. Puis en plus t'habites loin, t'habites tout en bas et c'est chiant pour moi. Ah bah ouais mais je peux venir tout en haut si tu veux. Ouais mais bon moi j'ai de la route à faire, hein. Y'a au moins une journée pour arriver en bas. Par contre t'habites où? Bah toi tu restes en bas, moi je reste en haut, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est pas, je suis pas loin de la Belgique tu vois. Et toi tu restes carrément en bas. Je suis à Paris. Ah Paris. Ah bah c'est à Pigalle alors. Bah bon, allez, non, moi je vous lance la game. Ah, oula, je vais pas vous durer. Parce que c'est parce que si j'ai pas de parce que si je continue, lancez. Si je continue, je crois que je vais raconter ma vie. Ouais. Et n'oubliez pas que vous êtes là pour souffrir. Vous avez entendu? Ici la voix, vous êtes là pour souffrir. Vive la France! Voilà. Vive la France! Allez, je lance. Parce que si on reste encore dessus, on va raconter sa vie. Alors surtout, n'oubliez pas de taper exigence, taper 1. Et la suspense, taper 2. Qui va remporter ce match en BO1? La exigence ou la suspense? Suspense. Les grades changent. C'est pas les mêmes grades, comme vous pouvez voir. Peut-être la exigence qui vont peut-être essayer de remporter cette match à l'aller, hein, en BO1. N'oublie pas qu'il y a le retour. Hein. Allez, on est parti sur la map littorale Thatcher Keteban, hein, qu'on jouera pas. On va passer le deuxième agent ban Blackbee avec ses grosses lunettes de soleil. Là. On dirait le monster. Il ressemble à un monster, moi de base. Allez, Mira, j'aurais dit Haribo. Il ressemble bien à Haribo. Et on va attaquer le dernier agent qui va être ban sur cette map littorale. Clash qui peut servir, mais la façon comment qu'il a la tronche qu'il a, à mon avis, il a mangé un schtroumpf. Voilà, la phase d'exclusion est terminée. Maintenant, on va passer sur la manche 1. Leur copeau de l'équipe qui vont choisir en attaque et en défense. Et là, on va partir sur un BP du côté de l'exigence salle de billard avec la copeau de base qui va être choisie d'ici quelques instants avant que je les prononce. Hein, il y a du Termite, Buck, Ash, Montane, Jackal, Castle, Mozy, Joker, Valkyrie et Bandit. Peut-être qu'il va y avoir un sixième choix, le pic du choix, on va dire. S'il y a les gens qui veulent changer d'agence, c'est le moment. Il y a toujours moyen. Et non. Ah si, du côté des exigences, Haribo qui change à la dernière minute son petit pic. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Merci pour votre follow, hein, celui qui vient de follow de Twitch. Alors, comme on dit toujours, les grades veut rien dire, hein, c'est... regardez comme le match de tout à l'heure, il y avait quand même la info qu'ils étaient quand même champions et diamants, et la décision, ils ont quand même marqué quand même 3 manches. Hein.
Alors c'est pour ça que je vous dis, les grades veulent rien dire, c'est le style de jeu. Hein, c'est, de toute façon, il y a le dronage et travail en équipe. Voilà, ça a déjà quitté, je sais pas pourquoi. Ça a déjà quitté du côté de la Ospence, je sais pas pourquoi et pour quelle raison. Coco, yeah. Coco, y'a quoi? Aucune idée. Ah. C'est quoi sur PSN? Bug de son inversé. D'accord. Allez, on va les inviter. Oui, 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 mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris. Coco. Bah vas-y toi tu chantes. Ouais. Ah gros, ah tu m'as tué ma gueule, tu m'as tué. Alors voilà la tronche culant. Bon ils ont eu un problème de son. De son. Ça fait rien, mais, ça fait rien, on va démarrer à zéro, comment... on va dire que je suis généreux. Hein. Comment ça insulte sur ton live, c'est insane hein. Coup de carton. Qui ça? Tout le monde là, la Woodspace, on a vu de ma mère, gros. Ça part en steak. Moi je te dis, très mac pote, j'ai juste vu juste le début. Je voulais juste voir comment tu te sais, voir la qualité de ton casque, tu vois. Parce que moi je te connais pas. Oui, donc du coup, je voulais juste voir et je te promets, tu m'as tué. Ah, gros, quand ils ont ban clash, oh putain, la tronche qu'il a. Moi j'ai des morts de rire. Par contre, on remet les bans, hein, genre, ça pas, y a pas de. Tu changes de perso pendant les bans. Ah, oui, c'est vrai. On a dit, il y aura un zéro. C'est quoi les bans déjà? Les bans déjà, genre merde. Il y avait Thatcher. Clash, Thatcher. Attends. Bah tu peux revoir sur le live je pense. Ouais mais j'ai la flemme. En attaque, il y avait quoi en attaque? En attaque. Il y avait Thatcher je crois. Ouais. On va voir Cloud Space. On va faire ça. Les gars, c'était quoi les bans? Il y a Mira. Thatcher, Mira. Clash. Il y avait Thatcher et en attaque, non, c'est quoi le dernier? Blackbird. Voilà. Blackbird. Coco, t'es pas obligé de faire les trucs de ban, on fera nous-mêmes, on respectera comme tout à l'heure. De quoi? Ouais, prends pas la tête, genre on prendra, on bannera les mêmes. Non, mais c'est bon. Arrêtez de crier quand même. C'est bon, franchement, si vous commencez à crier comme ça, pourtant j'ai pas mis le CD Mozart, alors désolé, hein, on est arrivé pas à ce point là. J'ai pas la ref. Voilà, les agents ils ont été ban. On démarre sur un score de 0. N'oubliez pas que l'équipe bleue, vous avez plus le droit à la Réos vu que vous l'avez fait. Hein. On s'est parti. Allez, c'est parti. Au tour. Action. De base, je n'ai pas un G4G. Moi, je suis pas là pour faire des gros trucs. Allez, c'est parti. On y va. Quand il faut, il faut. Hein. «
Ah, qu'on y va, on y va. Allez, salle du billard, hein, la compo de base, hein. Je vais pas le citer deux fois de base. Bon, par contre, sur votre commentaire de Twitch, hein, calmez-vous un petit peu. Sinon, je vais commencer à ban. Hein. J'ai un précisé en coup. Hein. Ce sera dommage de vous faire ban. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Là, sur ce coup-là, je pense que ça doit être bon. Il y a du monde, hein. Il y a des gens qui sont un peu excités sur la chaîne. Hein. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, c'est parti, on y va. Alpha a localisé une bombe. Bombe localisée par Alpha. Il reste 10 secondes. Plus que 5 secondes avant insertion. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Caméra installée et fonctionnelle. C'est parti, on y va. Je tiens à vous préciser, calmez-vous un petit peu sur la chaîne, sinon je vais commencer à ban. Hein. J'ai mis un petit bot là, je suis en train de régler un petit bot là pour vous ban directement. Hein. Allez, c'est parti, on part sur un score de 1-0. Voilà. Allez, on va partir sur un BP. Qu'on se testait de la part de l'exigence. On va partir sur salle de billard. Avec la compo de base. Thermite, Buck, Ash, Jackal, Twitch, Bandit, Castle, Milusi, Vigil et Jacker. Peut-être qu'il va y avoir un sixième choix qui va être choisi. Sixième choix du côté de la Ospens et l'exigence. Avec Montagne et Lésion, le pic du sixième choix. Et on attaque sur la manche 2. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Alpha a localisé une bombe. Barricade en place. Il n'y a plus à s'inquiéter pour les grenades. Il reste 10 secondes.
5 secondes. J'ai placé l'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Allez, c'est parti, on y va. On en 5v4. Attention, 5v3, attention, ça fait très mal du côté des gens. C'est en train de souffrir, moi je dis rien. Allez, on est passé en 4v3. Montagne. Attention, les ions qui arrivent en force. Et on est passé en 3v3, attention. Bien joué de la part des exigences. Le petit Haribo de Bekill. 3v1, attention. La Ospence qui se trouve en duel 1v3. Ça va être compliqué. La formation qui vient de tomber. Avec le petit bis. Ah, qui va prendre très cher sur ce coup-là. Attention à l'exigence qui va être remportée. Et oui, cette manche. Là, on perd sur un score de 1 partout. Alors. Allez, on va partir sur un bébé cuisine du côté de l'exigence pour voir comment ça se passait avec la copo de base qui a été prononcée. Allez, c'est parti, on y va. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. On va voir comment ça se passe, comment ils vont gérer. Bon, j'espère que sur le chat c'est très calme. J'ai touché quelque chose, je sais pas si vous pouvez toujours laisser des messages, j'en sais rien. Allez, on est parti en 5v4. Toujours. Allez, c'est parti. 4v4, c'est équitable. Attention, 3v4. Ça tombe comme des mouches. Allez, on est en 4v3.
Allez, on est toujours en 4v3. Allez, c'est parti, on y va. Et toujours avantage du côté l'exigence. Beck qui essaie d'avoir City Tati. Allez, Montane. Allez, on est passé en 3v3. Attention, qui fait pas très cher sur ce coup-là. Les Ions qui a suré ce kill. Là, on est toujours passé en 3v1. Allez, Buck, il se retrouve toujours tout seul pour ce duel 1v3. Ah, c'est dommage, il n'y a pas eu l'info. Il est tombé comme une mouche. Pas de chance. J'espère que vous pouvez laisser des commentaires. Allez, on va partir sur un BP Home Cinema. La compo de base qui a été choisie, Doc, Vigil, Jacker, Bandit, Lésion, Sledge, Jackal, H, Buck et IQ. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Oui, vas-y, tiens. Il y a plus à s'inquiéter pour les grenades. Bombe localisée par Alpha. Déploiement de système anti-grenade. Il reste 10 secondes. Allez, c'est parti, on y va. Plus que 5 secondes avant insertion. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Allez, on va aller sur... Ah bah c'est dément, il a pas de chance. Allez, on est passé en 5v4. Drone prêt. Elle est 5v4, toujours l'avantage du côté des exigences. Attention, elle a Ospens qui drone pour essayer de reprendre le BP du côté des exigences. Les vigiles qui est intercepté pas loin. Là on est passé en 5v3. Toujours l'avantage du côté à l'exigence. Attention à la formation qui va essayer de faire tomber. Et non, bien joué de la paire d'exigence. Là on est passé en 5v2. Bien joué. Là on est passé en 4v2. Toujours attention, qui peut faire très cher. Lésion qui a assuré ce kill. Attention, on est toujours en passé en 1v4. V2 à ce qu'il va savoir gérer. Et non, la exigence était plus rapide que ça. Et l'avantage, la exigence qui remporte encore ce magnifique manche. Et on passe sur un score de 2 à 1. Pour information, je suis peut-être pas sûr. Ah non, 3-1. J'étais en retard d'une manche. Je sais pas pourquoi, mais bon.
Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on est toujours en 5v2. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Shark 62, je t'attends pour mettre un commentaire hein, sur le live que je te banne direct. Et puis rechargement. Delta s'éloigne de la zone de mission. Allez, et Shark 62, je veux que tu mets un petit message s'il te plaît. Toujours en 5v4. Ah, c'est dommage, t'es bien tenté. Une bombe a été localisée. Allez. Match parfait de l'équipe Ospens. On part sur un score de 3-2. Allez, on va partir sur la BP Cuisine du côté de l'exigence avec leur compo de base qui a été choisi. Termite, Buck, H, Jackal, Iger, Jacker Lision, Milusi, Vigile et Doc. Peut-être un sixième choix. Un pic du sixième choix de remplacement, on va dire, au niveau des agents. Et oui, du côté de l'exigence, Abator. Bon, Chart 62, je voudrais que tu mets un message, s'il te plaît. Alpha sur ma chaîne que je te banne directement. Si ça fait rien, si tu veux pas le faire, je le ferai après. T'as une grosse bouche derrière ton écran, mais bon, je voudrais t'avoir en vocal. On dirait en plus, ça va venir. C'est parti, on y va. De toute façon, à côté de l'exigence, c'est qu'ils ont pris très cher sur ce coup-là. Qui va essayer de reprendre BP. Ah, voilà. Alors. Ok. Alors, ça risque de...
Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. Alors, eh, ça va, cher 62. Je crois que tu vas avoir un petit problème pour mettre des messages. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Allez, c'est parti, on y va. 2v2. 3v2. Allez-y, hein, à qui le tour, que je banne. Allez, on est toujours 1v2. On va voir comment ils vont gérer les exigences. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher Offspence? Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de vie, ça va être du mal pour lui gérer. Récupérer la bombe, ça va être compliqué. Alpha a repris son désamorceur. Ça y est, la bombe a été récupérée. Plus dur, 1v2, ça va être compliqué. À 17 secondes. Encore 15 secondes. Détection en plus car ça rentre comme ça. Et non, c'était compliqué. C'était une situation avec plus beaucoup de vie. Et là, 1v2 comme ça pour entrer. Plus le petit ralentisseur à la porte là. C'était chaud. C'était très chaud. Non, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il a été ban, comme ça on est tranquille. Voilà, à qui le tour? Dépêchez-vous, hein, si vous voulez insister sur le chat. Hein. Je suis là aussi pour ban, hein, en cas où. Hein. Allez, on va partir sur un BP sale de billard du côté de la Offspence avec la compo de base avec Castle, Jacker, Vigie, Lésion, Puce, As, Jackal, IQH et Sophia. Ça va être un peu plus calme, je pense. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, on va regarder les rapports des kills hein, sur un score de 4-2. Et là, on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir du côté de l'exigence les attaques, comment ça va se passer. Pour ici, qu'ils reprennent le BP de la Offspence. On va voir comment ils vont gérer sur un score de 4-2. De toute façon, tout peut se changer. Hein. Tant qu'on n'arrive pas à 7. Hein. Là, on est passé en 5v4. Rechargement. Oh, 4v4, attention. Ça tombe comme des mouches dans les deux parties. Les actes comptent plus que les mots. Bombe détectée. Allez, c'est parti. À la exigence qui va essayer de reprendre des pieds pour essayer d'avoir la formation. Ah, quelle idée de se mettre dans le coin. Oh là là, là, Offspence. Il s'est fait avoir, il s'est pris. Je
Allez, Haribo qui cas la bombe. Là, on est passé en 4v2. Toujours l'avantage du côté de l'exigence. Allez, il y a du suspense. C'est le moment de vous réveiller. Essayez au moins de gagner quelques manches. Ça fera plaisir. Et puis venir faire peut-être la remontada. Faut pas se laisser abattre contre l'exigence. Allez, 3v2. Haribo qui a la bombe. On va rester sur lui. Et les 3v2, ça peut être un bon duel. Il y a prévu la formation qui va essayer de tomber. Bien joué de la part de Monster. 1v3. Ah, la Ospence qui se met en difficulté. Sur cette manche, là on est passé à 1v3. Attention, ça sera la pause. Du côté de l'exigence. Ah, ça va être compliqué pour lui. Vigile qui va essayer le tout. En plus, qu'après la formation qui tente. Là on est passé en 1v2. Allez, qui s'enchaîne dans son élan, essayer de faire le clutch AV2. Ah, c'est dommage, il y a eu la petite tête qui s'est passée, qui prend très cher sur ce coup-là. Bien joué, là, c'est du AV1, attention, ça va être un duel, et non! C'est dommage, il avait fait un beau parcours. Je vous voyais bien, mais dommage, dommage. Allez, on attaque sur la manche 8 sur un score de 5-2 et on va partir sur APP salle du billard du côté de la Ospence. Et l'agent de la compo qui a été choisi, il y a Castle Smoke, Vigile, Lésion, Jacker, As, Dokibi, Buck, H et Jackal. Peut-être qu'il va y avoir le 6ème choix qui va être choisi sur l'attaque et sur la défense. Et bien sûr du côté Abator qui choisit le pic du 6ème choix. Et la Spence qu'on va partir sur la base qui a été annoncée au début de cette manche. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Allez, on regarde les scores. Qui est sur le toit. Kingbone. Là on est passé en 5v4. Abator qui s'est fait descendre. J'espère qu'il a pas trop souffert. Sur la formation qui peut faire tomber. Peut-être qu'il va essayer. Il y a eu l'info comme quoi qu'il était là. Il va rester là pour essayer de un appui, pour essayer le drainage, pour essayer de voir sa position. Et en plus il est vigile. Ah oui, c'est dommage, c'est bien tenté. Vigile, qui a réussi? Allez, on est passé en 5v2. Allez, Monster qui doit récupérer la bombe. Et justement, il y a Vigile. Peut-être qui est en train de monter la garde. Du code.
très difficile, hein. Il y a un bug, un petit bug de du serveur, ce que je viens de voir. Soit c'est les serveurs, soit c'est la personne qui a des problèmes de co. Aïe, c'est compliqué. Ah, c'était dommage, t'es bien tenté. Allez, on attaque sur la manche 9, on part sur un score de 5 à 3. Allez, on va partir sur le BP qui est contesté de la part de la Ouspence. Et on va partir sur la copo Smoke Jacker, Lésion Puce, Sophia H, Sledge EQ. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Bombe localisée par Alpha. Insertion dans 10 secondes. Il reste 5 secondes. Alpha avance pour désarmer une bombe. Allez, c'est parti, on y va. 5v4. 4v4, ça va, il se trave vite hein, de chaque côté. On essaie d'équilibrer. Hein, il dit, oh, je te tombe, je te tombe ci, je te tombe là. Là, il y a du 4v3. Le désamorceur d'Alpha a été arrêté. Ah là là, c'est dommage, t'es bien tenté. Là, on est passé en 3v3. De toute façon, c'est équilibré. Hein. Ça peut peut-être détourner le match. Lésions qui sont BP. Il y a l'information, mais je pense qu'il a changé de place. Moi je le vois, toi tu vois pas. Oh, il a vu la petite tête dépasser là. Moi je dis rien, il va prendre cher là. Elle est sa drone. Et oui, bien sûr, ça il a changé de place. Hein. Il va pas rester toujours au même emplacement. Hein. Allez, ils vont tenter de rentrer. Là on est passé en 3v2, attention, Gunbot qui va essayer de le faire tomber. Il prend le risque hein, là on est passé en 3v2. 3v1 attention, Ouspence. Avec Smoke ça va être compliqué à gérer, non, il y a exigence qui assurée sur cette manche. Allez, manche décisive du côté de l'exigence. On va partir sur un BP. Entrée de cuisine, cuisine. Avec le Jacker Smoke. Capcom, Frost, Mozy, Sophia IQ, Twitch, Blix, Buck. Attention, le pic du 6ème choix du côté de la Ouspence et la exigence qui prend H à la place de Twitch et Capcom à la place de on a eu un arrêt sur Image. Je sais pas pourquoi mais bon.
Carré noir. Bon, vous inquiétez pas, l'image va apparaître d'ici quelques minutes, je suppose. Alpha doit trouver et désarmer les bombes. Voilà, je vous l'ai dit que ça allait revenir l'image. Il fallait prendre patience. Je sais, c'est pas évident pour tout le monde, mais bon. Localisé par Alpha. Allez, on repère sur un bébé cuisine du côté de la Ospens. Allez, si on n'a pas le choix, il faut essayer de faire le remontada, essayer de gagner. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir du côté de l'exigence qu'ils ont pris Blix. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. Allez, Abattoir qui est toujours dehors. J'ai une petite bronzette. Sur le petit truc qui peut faire très mal, on est passé en 5v3. Toujours l'avantage du côté des exigences. Le Spence. Ah là là, ça va être un duel compliqué. Ah, le boss tank, il a pris le France, le pauvre. Il y a que pour faire seul, je suis mort. Oh non. je sais pas, je vous foutais sur plus sa gueule après. Là on est passé avec un avec un Rebo qui est blessé. Kitchas qui va essayer de faire tomber avec un. Et non, voilà. Voilà que l'exigence qui remporte cette map. J'allais dire un truc mais non. GG. GG à tous. Laisse tomber. Ouais mais bon, il faut aller rester jusqu'à la fin pour faire un GG. Hein. Vous êtes à la Devi League. Hein. Ouais, n'oubliez pas que vous êtes. Si vous le faites, la Devi League a été créée pour beaucoup de raisons. C'est juste pour regarder si des gens ils sont fair play jusqu'à la fin. Quand on participe, et pourtant dans le règlement, c'est bien marqué qu'il faudrait rester jusqu'à la fin pour dire un GG. Bah moi je dis GG parce que c'était un bon match, c'était intéressant. Hein. Après Buster ça va Ouais, t'étais pris le pro, c'était génial. Mais j'ai voulu taper. Ah moi sur ce game frère, je me suis fait péter le cul gros. Non mais oh les gars, je sais pas ce que vous avez fait, j'ai fait deux fois le même spawn kill d'affilée, vous m'avez pas tué. Moi je vous laisse, je vais allonger 4G5V5 là. Allez, je vous souhaite à tous bon dimanche. Et vous pouvez revoir la rediffusion d'ici quelques minutes. Attends, sur la Devi League. Attends, j'arrive, jeune homme. Je coupe ma chaîne.